profondeur de la presse. Une émission des journalistes pour les journalistes, un espace de libre-échange de connaissances, d'expériences. Nous allons en savoir un peu plus avec le secrétaire général de GED, journaliste en danger, dans un petit instant. Monsieur Tivis, tu vois, dis bonsoir. Bonsoir. Nous avons choisi d'inaugurer ce cénacle, le mot pris dans son sens littéraire et non pas religieux. Nous avons donc voulu commencer ce cénacle par l'actualité. Et la plus grande actualité aujourd'hui, je crois, que c'est la Covid-19. C'est pour ça que nous avons voulu inviter le docteur Jérôme Mounyangi. J'espère qu'il va venir nous rejoindre. Deuxième invité, Chantal Kanimbo, porte-parole de CESAC, Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, c'est-à-dire, en résumé, madame, hygiène ou police de la profession. Les deux. Hygiène, je peux expliquer? Tout à l'heure, dans un petit instant. Hygiène, parce qu'il s'agit pour nous de mettre un peu de la propreté dans l'espace médiatique congolais pour permettre aux consommateurs d'avoir de bons produits qui répondent aux normes. Et police, parce que nous sommes là pour faire respecter les règles de déontologie, de l'éthique professionnelle. Merci, madame. Et prendre des sanctions au cas où nous constatons des dérapages pour recadrer un peu les professionnels des médias. On vous a donné un peu plus de temps d'expression. C'est une façon pour nous de vous recevoir de la manière la plus élégante qui soit. Merci, madame. Alors, un spécialiste de la communication. Souvent, on oublie la communication. C'est un secteur très, très important. Ce spécialiste de la communication va nous expliquer un petit peu pourquoi, de la vie d'un peu tout le monde, cette communication n'est pas passée partout. Professeur Matoumouni, bonsoir. Bonsoir Jean-Pierre Kibambi. Je reviendrai à vous dans un petit instant. Enfin, et pas de moindre, il y a une très belle expression en anglais pour ça, William Kalengai, et nous habituer à des synthèses pointues et pertinente. Il a l'œil du journaliste et le bon. Bonjour, bonsoir, monsieur Kalengai. Je ne sais pas pourquoi je vous dis bonjour. Bonsoir, monsieur Kibambéchit. Alors, avant de commencer, comme je l'ai dit en ouverture, je vais donner la parole à monsieur Tivoidi afin qu'il nous donne un petit peu la philosophie de cette émission que nous allons proposer aux confrères, mais également aux téléspectateurs. Donc, c'est donc moi qui ouvre le bal. Voilà. Alors, d'abord, je m'en voudrais de ne pas vous remercier sincèrement pour avoir permis, à travers cette émission, la réalisation, en fait, d'un vieux projet de GED. De cette émission, on a parlé longtemps, on a discuté, on a échangé beaucoup sur son importance et sur le contenu qu'il fallait donner à cette émission. Et je suis heureux que vous ayez accepté de le piloter. Pourquoi une émission un peu 100% consacrée à la presse? Déjà, je pense qu'il faut combler quand même un vide. Parce que quand je regarde les grilles de programmes de beaucoup de nos chaînes, vous avez des émissions qui sont consacrées totalement au sport, des émissions 100% musique, des émissions consacrées à la religion, mais il n'y a pas une émission qui est consacrée au problème de la presse. Donc nous parlons beaucoup des autres, mais pas suffisamment de nos problèmes. Et donc je pense qu'il fallait combler ce vide. La deuxième raison, peut-être la plus importante, c'est que pendant longtemps, on nous a reproché, particulièrement nous, GED, de défendre un peu aveuglément les journalistes et de fermer les yeux sur un certain nombre de choses, un certain nombre de comportements des journalistes, sur des dérapages parfois constatés et sur la moralité parfois douteuse de certains d'entre nous. Parfois on a même entendu que j'ai encouragé parfois le mal.
Alors, cette mauvaise image des journalistes dans l'opinion ne nous facilite pas non plus la tâche, ne nous permet pas de faire passer nos messages ou d'avoir raison sur un certain nombre de nos revendications qui sont pourtant essentielles dans le travail que nous faisons pour défendre justement les journalistes. Je vais vous donner un exemple. Ça fait des années que nous courons derrière cette question de la dépénalisation des délits de presse. On aura bien beau expliquer c'est quoi la dépénalisation, pourquoi faut-il supprimer dans la loi les arrestations et les emprisonnements des journalistes. Mais la question qui nous revient toujours, c'est de savoir, mais on va dépénaliser, mais avec quel journaliste? Et on entend souvent dire, mais si déjà aujourd'hui, on peut les arrêter, les envoyer en prison et qu'ils continuent à écrire ce qu'ils écrivent, à plus forte raison, le jour où on va dire on ne peut plus arrêter les journalistes. Donc, cela nous met devant un défi. Hein. Pas seulement j'aide, je pense que toutes les organisations, le défi qui nous incombe aujourd'hui, si nous voulons être crédibles dans ce que nous sommes en train de faire, c'est de commencer d'abord par faire un peu de nettoyage, et j'ai beaucoup aimé ce que Mme Chantal a dit tout à l'heure, c'est-à-dire mettre un peu de l'ordre dans notre profession. Et je pense que cette émission a pour vocation justement de se créer ce cadre qui nous permettra de nous regarder dans les yeux, de parler de nos problèmes, mais aussi d'exposer les difficultés qui font que des journalistes ne sont pas à mesure de faire correctement leur travail et la presse n'est pas à la hauteur des attentes de ce qu'on attend d'elle. Et je pense que ce sera cette tribune qui va nous permettre parfois même de proposer des solutions. Si la NEAP a accepté également d'être des vôtres, parce que cette NEAP a besoin, madame a utilisé l'expression, nous devons nettoyer devant nos portes, afin que devant l'autorité, si nous revendiquons des choses, que nous les revendiquions en ayant fait du bon travail. Je ne dis pas caresser les gens dans le sens du poil, enfin... Vous l'avez dit et je vous remercie. Nous allons proposer aux téléspectateurs un sujet sur la Covid. Et après, chacun voudra bien critiquer cette émission, le fond, la forme, et la critique a commencé. J'avertis déjà les amis que dans les jours à venir, vous serez appelés à nous amener les reportages les meilleurs afin que nous puissions en discuter, et peut-être que si nous sommes soutenus, ce sera l'occasion, n'est-ce pas, de donner des fleurs à certains amis pour les encourager à bien faire le travail. Ce reportage a été fait maison, c'est pas, enfin, je ne vais pas le commenter déjà, je vous le propose. Après près de 4 mois passés sous l'état d'urgence sanitaire décrété par le chef de l'État pour freiner la propagation du coronavirus en RDC, certains coins périphériques de la ville de Kinshasa n'ont pas bénéficié d'une communication efficiente sur cette terrifiante maladie. La preuve est qu'au lendemain de la levée de cet état d'urgence, plusieurs compatriotes n'étaient guère convaincus de la présence de la COVID-19 en RDC et particulièrement dans leur milieu de vie. Dans la commune de Kisenso, nos reporters ont été peinés de constater le non-respect du port du masque en plein marché. Pour la population de ce coin, cette maladie est tout simplement imaginaire, d'autant plus, selon eux, que la sensibilisation autour de cette pandémie a été très faible, voire inexistante dans leur milieu. Si réellement malade est Nézali, on va faire le partage à Batumba. On va faire la cigarette, on va faire le partage à cigarette comme il faut. Si réellement malade est là qui me partage la cigarette et qui est là. Donc, si tu es là, tu es là, tu es un peu respecté. Sensibilisation en vous, mais tu es là, tu es là, tu es là, papier, na ba avenue. Mais que messager le kaba, le malade à coronavirus, en tout cas, tu es là, tu es là. Et la cantine, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là, tu manque à savon, tu es là. Tu es là, 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 tu es là. Donc, la sensibilisation, on a côté de la vie, à Kisenso ici, pour la communication, je dirais non. Je dirais vraiment non. Ici, la sensibilisation, c'était pas bien passé. C'était pas bien passé vraiment. On avait vraiment besoin
d'être vraiment à mesure de comprendre cela. Tout le monde est profité la maladie. Je suis un peu tombé. Je suis un peu tombé. Je suis un peu tombé. En tout cas, tout le monde est monté. Même son des cloches du côté des maraîchères de la commune de Ndjili. La levée de l'état d'urgence pour certaines personnes coïncidait à la fin de cette maladie qui n'existe que dans l'imaginaire des autorités. En tout cas, la sensibilisation à la maladie est là. En tout cas, tu dis que tu as dit 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 que tu as à Kimbanseke, vers l'ancien cimetière, c'était presque en cœur que ses compatriotes ont nié l'existence de la maladie. Encore une fois, la sensibilisation avait vraiment fait défaut. Pour certains habitants, la levée de l'état d'urgence est la preuve que les autorités ne devaient indéfiniment pas tromper la population de l'existence de cette maladie. Moni milite aux arts et en électricité. Tout d'abord, sensibilisation et à ming à niveau à TV, la radio. Ce qui va s'aller qui va moyen moko batoiseau passé, nous tout le monde à tant ou banos basala va sensibiliser au virus, au moins toujours passé, baso parler sur le virus, bouillé batoiseau cotatine à secteur pour nous ça la campagne ouana et permettre à remonter comprendre que non. Et ça, la maladie, moi, boué, et ça, tout le monde. Mais, nous avons dit, boué, ah ouais, non, 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 Bisso, tu auras moins de temps pour l'information, tu auras moins de temps. Attention, attention, attention. Bon, on va te faire radio, on va télévision pour courir un peu à côté. Si chez nous, qui m'a battu le cimetière, c'est tout à fait donc zéro. Ce n'est pas l'échec, mais c'est zéro. Puisque, bah, nous sommes tous les bango. Et même, bah, yébi, on a tout le temps. On a yébi, on a yébi, on a yébi, ça va tout le monde. Mais, où est-ce que Paris, Yamaka, si bien, on a la part gouvernementale. Est-ce que tout est à reprendre sur la communication autour de cette maladie? Certainement non, mais il faut tout de même admettre, comme l'ont si bien relevé les habitants des quartiers périphériques de la ville de Kinshasa, que la campagne de sensibilisation a été faible, à tel point que l'existence en République démocratique du Congo de cet ennemi mondial a été mise en doute par une bonne frange de la population. Après la levée de l'état d'urgence sanitaire, la population continuera à cohabiter avec la maladie, d'où la nécessité de renforcer la communication en donnant des moyens conséquents aux professionnels de la communication qui peuvent atteindre toutes les couches de la population et compter sur leur participation dans la lutte contre la COVID-19. Madame Chantal Kanimbo, votre avis, vos impressions sur ce reportage? Je constate qu'il parle beaucoup de l'absence des sensibilisations et moi je note que les médias, qui sont des moyens de communication de masse, aurait pu justement contribuer à sensibiliser les citoyens congolais sur les dangers de cette maladie, sur le mode de transmission de cette maladie, sur les gestes et barrières qui sont préconisés pour éviter d'être contaminés. Les médias n'ont peut-être pas fait le travail d'information nécessaire parce que seuls les médias sont capables d'atteindre un grand nombre de citoyens. Vous qui nous regardez de très près pour besoin de nettoyage notamment, vous avez vraiment l'impression que la presse n'a pas fait son travail? Oui, nous avons cette impression, d'autant plus que la semaine prochaine, nous allons statuer sur ça. Nous avons pensé rédiger une recommandation qui s'adresse aux médias justement par rapport à l'information qui devrait circuler concernant la pandémie de Covid-19, parce qu'avec la fin de l'état d'urgence, on a vu comment dans tous les quartiers de Kinshasa, les gens ont chanté, ont crié, ont fêté la fin de l'état d'urgence. Pour eux, la fin de l'état d'urgence signifie la fin de la maladie. Merci, madame.
Or, la maladie continue à circuler et donc les médias devraient doubler d'efforts pour continuer à donner l'information, la bonne information concernant cette maladie. Moi, j'ai l'impression que les médias sont plus alignés, attachés aux officiels. Si les officiels bougent, les médias bougent aussi, mais il n'y a pas d'initiative propre des médias pour faire le travail concernant cette maladie. Willy Kalingay, vous, je disais tout à l'heure, vous savez nous regarder dans le miroir pour donner un avis pas du tout complaisant, un vrai avis. Votre avis, c'est lequel? Plusieurs choses. Merci d'abord de m'associer. La première chose, c'est que je vais rappeler quelques chiffres. À ce jour, nous sommes à 9070 cas confirmés pour cette maladie. Nous sommes déjà à 6760 guéris. Donc, il y a quand même des voies de solution, mais nous sommes à 215 décès. Voilà les chiffres qui sont incontestables. Nous avons aussi en même temps la deuxième considération en suivant ce reportage, c'est que la presse n'a pas joué son rôle. Pourquoi elle n'a pas joué son rôle? Parce qu'elle n'a pas été d'abord au préalable sensibilisée. La maladie existe et les premiers qui devaient en être convaincus, ce sont les médias. Mais vous allez constater que les médias ont agi avec cette maladie comme s'ils étaient en train de requérir des opinions. La maladie n'est pas une opinion, c'est un fait établi. Vous en avez une expérience parce que vous êtes vous-même directement en contact avec la maladie, ou bien parce que vous avez suivi les informations d'ailleurs, mais parce que quelqu'un que vous connaissez est malade. Mais on a donné à la presse la chance de se convaincre d'une réalité, même si individuellement on ne l'a pas vécue. Mais la presse a pris cette maladie et il y a eu un grand doute sur le quoi, sur l'effet principal. Alors qu'il y a des morts dans notre pays, qu'il y a des gens qui sont chaque jour ici infectés, peut-on en être 4 mois après à se poser si la maladie est dans le pays ou non? Alors que nous sommes déjà autour oui, nous sommes en train d'aller au mois d'août, s'il y a encore des questions sur l'existence ou non de la maladie dans notre pays, c'est que l'intermédiation des médias a échoué. Nous avons pris cette maladie comme une question de micro-baladeur, nos impressions. On n'a pas demandé à la population son impression. On a à lui dire, il y a un danger, prenez vos précautions, reculez par rapport à vos comportements. Mais la presse a pris ça avec la légèreté, je le dis en âme et conscience, avec la même légèreté que nous prenons les impressions que nous récoltons sur la, dans la rue. Si les journalistes étaient déjà tous convaincu que la maladie est là et que c'est une maladie mortelle et que quand elle va vers la population, ce n'est pas pour demander l'opinion d'une population qui n'a pas été informée. On ne va pas requérir l'opinion de la population. On va voir si cette population est informée et si elle n'est pas informée, on peut lui donner l'information. Oui, mais on a noté quand même le recul par rapport aux morts. C'est que quand même, hein, la population est informée. Oui, mais non, d'abord, les premiers à féliciter, c'est les médecins. C'est la prise en charge. Aujourd'hui, si vous avez 6000 guéris, c'est qu'il y a des personnes qui se sont donné la peine de traiter ces maladies. C'est aussi vrai qu'il y a eu un changement dans les comportements. C'est aussi vrai que le gouvernement a fait un effort pour sensibiliser. Mais c'est aussi vrai, et Mme Chantal l'a dit, le rôle amplificateur d'une presse consciente n'a pas été joué. Parce que la presse, j'ai même des journalistes, dans leurs propres émissions, dans leurs éditoriaux, qui ont commencé à dire en public que cette maladie-là, c'est des mensonges. Merci. Je me tourne du côté de M. Chivis. Vos impressions, après avoir vu ce reportage, et dans la pratique de tous les jours? D'abord, sur la forme du reportage. Mm-hmm. Si je devais avoir un jugement sévère, je dirais vraiment que c'est raté comme reportage. C'est un reportage bidon, dis pas ça comme ça. Mais en fait, ça répond pas aux questions essentielles que les gens se posent sur cette maladie. Et on ne voit même pas que la finalité, en fait, de ce reportage, disons, c'est même pas un reportage, c'est un micro-baladeur, en fait, on va dire.
Quand vous diffusez ça au lendemain de la levée de l'état d'urgence, et comme on a dit ici, on a vu que pour beaucoup de Congolais, ça signifiait en fait la fin de l'épidémie. Vous n'allez pas, après ça, aller tendre le micro aux gens qui sont sceptiques ou les gens qui ne croient pas. Ce qu'il y a à faire aujourd'hui, c'est-à-dire puisqu'on a donné des chiffres, et là, suffisamment, on n'en parle pas, c'est-à-dire il y a un certain nombre de gens, c'est plus de 6000 qui sont guéris, il y a des gens qui sont morts. Je crois qu'il faut mettre des noms, peut-être des visages sur les chiffres. On donne des chiffres en abstrait. Pourquoi ne pas faire parler des gens qui étaient malades, qui sont guéris? Ça, on aurait à ce moment-là des témoignages vivants, des gens qui sont malades, même s'ils sont peut-être encore sur leur lit d'hôpital, mais on peut flouter les visages des gens, mais au moins, on a des témoignages, on peut voir qu'il y a des gens qui sont malades, il y en a d'autres qui sont guéris, dans quelles circonstances ils ont été guéris. Ça permettrait effectivement aux gens de pouvoir peut-être se convaincre mieux. Mais moi, je vais un peu au-delà, parce qu'il ne faut pas trop charger non plus la presse. Moi, je ne crois pas que vraiment les gens, pour la plupart, ne croient pas à cette maladie. Mais plutôt, les gens ont peur. Les gens ont peur d'être testés positifs et d'être l'objet, en fait, d'une sorte de stigmatisation dans la société ou de leur entourage. Et je crois qu'il faut prendre en compte cet élément-là de peur qui fait que les gens, non seulement, ils ne vont pas se faire tester, parce que j'ai vu qu'ailleurs, les gens commencent à faire des fils. Parce que finalement, pour en sortir, même ce qu'on dit, on va vivre avec cette épidémie, mais vivre avec cette épidémie, ça veut dire qu'il faut faire trois choses. C'est-à-dire tester, dépister, isoler, en fait, les gens qui sont malades. Ailleurs, moi, je vois que des gens se mettent en file pour aller se faire tester, mais ici, non seulement on ne le fait pas, et puis on veut faire payer même le test. J'ai entendu qu'il faut $30 pour se faire tester. Je voudrais rectifier parce que j'ai vu dans un autre pays, c'est pour les voyageurs. Les voyageurs, je crois que c'est au Gabon, on fait payer ceux qui voudraient avoir le résultat rapidement parce qu'ils doivent voyager. On le fait ici, on l'a fait aussi au Gabon. Je crois que c'est un peu normal. Vous voulez avoir une certaine priorité, il y a le prix à payer. Non, bah, je ne crois pas qu'il faille faire une distinction entre ceux qui veulent voyager et ceux qui ne voyagent pas, parce que tout le monde a besoin d'être testé pour savoir quel est son état. Mais en fait, ce que je voulais dire par rapport, pour terminer mon idée sur la peur, pourquoi les gens ont peur de la stigmatisation, etc., parce qu'il faut partir quand même du traitement du premier cas qu'on avait enregistré ici. Hein, on a vu encore, moi je vois encore des images, comment ce premier cas de ce Congolais qui est venu, je crois, de France ou de Belgique, comment il avait été pris à son hôtel. On a vu des policiers armés entourer cet hôtel comme si on venait chercher un criminel. On a vu des gens, les personnels sanitaires habillés complètement de la tête aux pieds, et puis on a pratiquement enlevé ce monsieur qu'on a mis dans un véhicule, on a roulé un tombeau ouvert avec sirène, gyrophare, comme si on est allé le jeter quelque part dans un hôpital chinois. Et là-bas, les informations, c'est que tout le monde a détalé. Quand il est arrivé là-bas, le personnel de santé... Et donc, ça, c'est resté dans la tête des gens. D'accord. Pour dire, donc, si aujourd'hui je suis testé positif, je risque de connaître le même sort, le même traitement. Et ça n'encourage pas les gens à aller, évidemment, effectivement, se faire tester ou dépister. Vous aurez un autre temps de parole. Alors, le communicateur, monsieur le professeur, pourquoi d'abord est-on arrivé à des résultats comme ceux que nous avons vus sur cet écran où les gens ont dit non, nous n'avons pas été informés. Alors que quand même, les radios et les télévisions en ont parlé. Bon, j'espère vraiment que les différentes structures qui sont chargées de la gestion de la COVID vont suivre cette émission. Et qu'elles vont surtout regarder ce reportage, parce que c'est une interpellation pour eux. C'est une interpellation parce que ceci veut dire, ou plutôt ceci pose le problème de l'adéquation, ou non, des canaux de communication, c'est-à-dire l'adaptation des médias à un public. J'ai l'impression qu'on a trop mis l'accent sur les médias de masse, la radio, la télévision, la presse écrite, etc.
Est-ce qu'on a fait une étude sociologique de la ville de Kinshasa pour voir, par exemple, dans telle contrée, est-ce que les gens disposent de la radio ou de la télévision? Et donc, à partir de ce moment-là, il faut trouver des médias adaptés. Par exemple, je vais y arriver. J'ai suivi une interview du docteur Mouyembe qui disait une fois qu'on gagnerait beaucoup en capitalisant les résultats qu'on a obtenus avec Ebola. Comment on a fonctionné avec Ebola? Mais c'était la communication de proximité. On est allé, c'est vrai qu'on va dire, oui, le confinement, l'état d'urgence n'a pas vraiment permis cela, mais on aurait pu utiliser d'autres canaux, pas seulement les masses médias, les gens le disent clairement, hein, ils n'ont pas la radio, ils n'ont pas la télévision. Donc vous pouvez vous époumoner ici à leur expliquer ce qu'est Ebola, le nombre de morts, etc. Pour eux, ça passe, ils ne connaissent même pas, ils ne sont même pas en contact avec les médias. Donc il fallait trouver d'autres canaux, des canaux de proximité, ça c'est, on le dira plus tard, peut-être l'une des solutions vers lesquelles il faut aller pour mieux informer les gens. Donc, vraiment, c'est vers cela qu'il faut aller. Combiner, n'est-ce pas, les approches communicationnelles en voyant les cibles que l'on veut atteindre. Si on veut atteindre l'habitant de la Gombe, de Lingala, de Kinshasa ou de Ngaliema, etc., c'est normal qu'on utilise les médias de masse, la radio, la télévision, parce que nous avons l'électricité, même si la SNEL de temps en temps nous pose des lapins, mais nous avons quand même la possibilité d'accéder à ces médias, d'accéder à cette information-là. Mais pour les communes périphériques, les contrées périphériques de la ville de Kinshasa, il faut trouver une autre stratégie. Il faut descendre vers ces gens-là. En utilisant, ça on le redira peut-être un peu plus de manière plus détaillée, en utilisant même des leaders d'opinion. Il faut aller vers cela pour être sûr d'atteindre la population. Donc, ça, je crois que le ministre de la Communication l'a fait. Combien de fois et où? Non, il l'a fait dans la, justement la périphérie. Il a utilisé les musiciens, les hommes de théâtre, etc. Oui. Peut-être un peu tard. D'accord, mais les musiciens, les hommes de théâtre, bon, on va dire, c'est quand même des leaders d'opinion. Mais il faut bien comprendre qu'un leader d'opinion, c'est quelqu'un qui partage des caractéristiques communes avec la population dans laquelle il vit. Et qui a l'avantage d'être beaucoup plus, d'avoir beaucoup plus accès à des sources d'informations. Et donc, il faut en trouver d'autres. Ok, je prends un exemple. Ouais. Maintenant que les églises vont ouvrir, mais les pasteurs, les mamans Malongi et consorts, etc., peuvent servir de relais par rapport à tout cela. Le pasteur à l'église, il donne le message, mais après il va y avoir quoi dans les églises? Nous savons plus ou moins comment ça fonctionne. Il va y avoir les réunions des jeunes, les réunions des mamans, les réunions des papas, etc., etc. C'est autant de relais que l'on peut utiliser pendant la réunion des mamans, des papas. On prend 5 minutes pour parler de cette... Parce que c'est un problème de santé publique. C'est un problème qui touche toute la communauté. Et donc, il faut essayer d'utiliser tous ces canaux-là. Moi, je pense même, par exemple, au chef de quartier. À l'époque où nous, on était tout jeunes, bon, on va dire que c'était le impère et tout ça, mais les chefs de quartier organisaient des réunions publiques, des meetings dans le quartier, où tout le monde allait, on écoutait certaines informations qu'ils avaient à nous livrer. Pourquoi on n'utiliserait pas non plus aussi ces canaux-là? À Kinshasa, il y a par exemple, je crois, 400 quartiers à peu près, rien que dans la ville de Kinshasa. Eh bien, on peut sensibiliser ces gens-là qui servent de relais, hein, passer par exemple dans les quartiers avec un lance-voix, etc., donner l'information avec un minimum de matériel de sensibilisation. Si je vous comprends bien, les experts en communication comme vous n'ont pas été mis à contribution pour... Bon, je n'en sais rien. Ah, bah, vous avez vu ce qui a été fait. Le pays en est déjà plusieurs communicologues et communicateurs formés. Donc, je suppose que avant de se lancer dans une telle campagne, on a dû certainement s'entourer des communicateurs et des communicologues. Donc, il faut des études. Au vu de résultats, vous vous retrouvez, vous? Apparemment, non. Bon, pas vraiment, pas totalement. Parce qu'il faut aussi distinguer les choses. Hein. Je voudrais bien que l'on comprenne bien de quoi l'on parle. La communication ou la campagne contre la Covid, elle relève en fait de deux types de communication. Elle relève d'une communication de crise. Parce qu'effectivement, une crise, c'est un événement qui est souvent, qui vient subitement, soudainement, et qui perturbe la vie, le fonctionnement d'une organisation, etc.
Mais de l'autre côté, il y a ce qu'on appelle la communication pour le changement de comportement. La sensibilisation et qui utilise les mêmes ressources pratiquement que la communication persuasive. Okay. Deux minutes donc, pour que vous nous expliquiez les deux. Oui, la communication de crise, c'est justement cet ensemble de dispositifs, notamment, que l'on doit mettre en place pour prendre en charge la crise, n'est-ce pas? Et souvent, d'ailleurs, on pensait qu'il faut anticiper. Chez nous, il y a eu une anticipation, effectivement, rappelez-vous, le 7 mars, c'est-à-dire 3 ou 4 jours avant le premier cas déclaré, le ministre Teny Longondo a dit clairement que les voyageurs en provenance de France, d'Italie, de Chine, Iran, Irak, etc., eh bien, allaient être confinés chez eux, et ceux qui présentaient des symptômes allaient être pris en charge, amenés quelque part vers Kinkole ou Maluku, il y avait un site qui devait les prendre en charge. Je ne sais pas si effectivement ça a fonctionné, mais il y a eu quelques critiques. Donc, on a anticipé. Mais ensuite, il y a des dispositifs qu'il faut mettre en place. Notamment, il faut un comité de veille. Et effectivement, de ce point de vue-là, le gouvernement a eu la bonne réaction, n'est-ce pas? On a créé ces structures-là, secrétariat technique, comité de riposte et même une task force à la présidence de la République. Donc, ça, c'est des dispositifs qui permettent de faire face. Ce que l'on peut regretter, c'est que généralement, il faut toujours, lorsque l'on crée ces structures-là, il faut avoir un porte-parole. Celui qui va communiquer avec les médias, avec le public, etc. De sorte qu'il n'y ait pas de voix discordante, malheureusement. Un seul porte-parole. Oui, généralement, il vaut mieux un. Il vaut mieux un. Bon, si on peut en avoir deux, ben, il vaut mieux un. Comme ça, tout passe par lui, il communique. Il n'y a pas de contradiction après. Il n'y a pas de contradiction. Je vous reviens, vous dites des choses très, très intéressantes. Je voudrais que ceux qui sont avec nous puissent... chacun, déjà à cette étape, donner son point de vue par rapport à ce qu'il a vécu. Nous avons vécu, nous avons été confinés et tout ça. Et nous reviendrons au professeur. Madame Kanimbo. Je crois que les journalistes ont largement aussi contribué à la désinformation. Moi, j'étais sidérée. J'étais sidérée de lire dans les réseaux sociaux les réactions des journalistes qui sont responsables de la consommation de l'information diffusée aux citoyens, de dire justement que ça n'existait pas, où sont ces malades. Vous parlez des réseaux sociaux, madame. Oui, mais dans les réseaux sociaux, c'est vrai que le taux de pénétration... de Internet dans notre pays est minime, mais ça va de bouche à oreille. Parce que moi, si j'ai été sur les réseaux sociaux et que j'ai vu une information, j'en parle dans mon entourage. Ceux de mon entourage vont en parler, ça va aller de bouche à oreille. Et c'est comme ça que les gens n'y croient pas. Parce que moi, j'ai vu des journalistes se dire, ah ben attendez, où sont ces malades? On dit qu'il y a autant de malades, on ne les voit pas, ils sont où, etc. Hein? Ok, madame. Parce que, par exemple... On est à près de 9 000 cas, mais tous les cas ne sont pas à l'hôpital. Ailleurs, on a vu, il y a 100 000 contaminations, mais les 100 000 contaminations, toutes ces personnes n'étaient pas hospitalisées. Il y en a, c'était des cas qui n'étaient pas sévères, on leur a recommandé de rester chez eux, de se reposer. Et ceux qui étaient des cas graves, ce sont ceux-là qu'on a hospitalisés. Et donc, les journalistes sont largement aussi, de mon point d'accord, de vue, madame. Par rapport Monsieur, à ce que j'ai vu, réaction par rapport à qui est journaliste, qui la charge pas. Sur les journalistes, moi, je la comprends pas. Ça veut dire... c'est pas des journalistes qui ont donné les chiffres qu'on a donnés. Non, les plus spéciales. Ils ont fait comme Willy Kalinen a dit. Ils ont cherché à faire de l'opinion plutôt qu'à donner de l'information. Non, mais ça dit, les journalistes... Ils rapportent les chiffres qu'on leur a donnés officiellement. Et on constate, effectivement, avec tout le monde, que nous sommes quand même, 4 mois après, loin en deçà de la catastrophe qu'on nous avait promis. Parce que vous vous rappelez... La catastrophe, hein? Non, j'ai dit... Il ne s'agit pas de la catastrophe. Pas, on nous avait promis, on a entendu même l'OMS pour l'Afrique, que vers le mois de juin, et tout ça, ce serait une catastrophe. Mais je constate que 4 mois après, il ne faut pas minimiser, évidemment... Les risques, les nombres qu'on a donnés, mais ce n'est pas aussi catastrophique. Quand vous regardez la moyenne en Afrique, on est toujours autour de 8 000, 9 000 cas un peu, sauf pour des exceptions comme l'Afrique du Sud, etc.
comparativement à d'autres pays où on a 40, 50 000 morts ailleurs. Donc on peut dire quand même que la situation est sous contrôle et que la situation est en train de s'améliorer. Conséquence de cela, on a levé l'état d'urgence, les enfants vont pouvoir aller à l'école, on va ouvrir les marchés. Ça veut dire quelque part, je pense qu'on est en train de maîtriser la situation. Moi, ce que je voulais votre réaction par rapport à ce qu'a dit Mme Kayimbo, parlant des réseaux sociaux. Mais est-ce que tous les réseaux sociaux ont derrière eux des journalistes? Il y a quand même des gens qui ne sont pas journalistes qui ont lancé des messages. Des journalistes. Réaction des journalistes, connus. Oui, connus. Des quelques journalistes. Des quelques journalistes. Ça, c'est le défenseur. William. Je voudrais vraiment que l'on précise deux choses. C'est vrai que Tivis vient de dire que la situation sous contrôle, il faut faire attention. Ce que l'on ne maîtrise pas ne peut pas être l'objet d'une joie. Nous ne savons pas quelle est la magie, quel est le miracle qui fait que malgré que nous ayons le COVID, la COVID ici, les contaminations sont relativement, faibles. Mais des hypothèses sont émises. On dit que parce qu'il y a, insuffisance des tests, on ne fait pas les tests systématiquement. C'est comme ça que beaucoup de personnes sont malades et ne le savent pas. Mais je me dis, même le déconfinement, ce n'est pas une décision qui est venue après la maîtrise. On ne maîtrise pas cette maladie. Ni sa propagation, ni la manière où... Parce qu'on a cité, pour maîtriser, il faut identifier le pic de la pandémie. Le pic est en train de changer sur le calendrier. Mais ce qui est vrai, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que nous n'avons pas assez de moyens pour pouvoir faire face à une catastrophe. Nous avons constaté une chance inouïe de l'histoire, c'est un miracle de l'histoire, que ça ne s'est pas étendu autant que l'on pouvait le craindre. Non, c'est pourquoi je parle d'une chance. Mais n'en faisons pas une compétence. Nous n'avons pas la compétence nationale de nous réjouir de quelque chose que nous avons maîtrisé. La chose n'est pas encore sous maîtrise. Elle continue et il faut faire beaucoup d'efforts pour qu'il n'y ait pas du tout de contamination. Si nous disons que nous avons la maîtrise de Ebola, c'est parce qu'après 21 jours du dernier cas, il n'y a pas eu d'autres cas signalés. Quand est-ce que nous aurons la chance de dire ça? En disant, les tout derniers infectés de la COVID, nous l'avons enregistré il y a 14-15 jours. Ces jours-là, il n'est pas encore là, ce n'est pas demain. Vous avez raison parce que nous avons 9 frontières. Oui. Cette maladie est une maladie qui nous vient de l'extérieur. Vous voyez, vers le Katanga, ça vient, c'est le contact direct avec l'Afrique du Sud et à un moment, ça a commencé à monter. Avant de revenir au cours que vous nous donniez tout à l'heure, parce que ça en est un, et j'aimerais que vous puissiez dire un mot sur la discussion qui vient d'avoir lieu là. Je pense qu'il faut tempérer quand même l'optimisme de Tshivadi, parce que, comme Willy l'a si bien dit, nous ne savons même pas très bien combien de personnes ont été dépistées, on ne le sait pas. Et de deux, nous avons quand même l'expérience des autres pays qui sont mieux lotis que nous, qui ont déconfiné après avoir eu l'impression qu'il y avait une baisse, etc. Et malheureusement, qui sont remontés et qui ont connu encore des pics assez importants. Donc il faut vraiment tenir compte de cela. D'accord. Maintenant, par rapport à ce que Mme Kayimbo a dit, effectivement, il faut faire quand même attention aux réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, moi je dis toujours, c'est un peu comme les langues des Ops, hein, vous connaissez l'histoire des langues des Ops. C'est la pire et la meilleure des choses. Et très souvent, malheureusement, les réseaux sociaux ont été et sont encore des sources d'informations, j'en parlerai peut-être tout à l'heure, d'informations dissonantes. C'est-à-dire qui vous apportent des nouvelles qui viennent pratiquement perturber l'information que vous aviez déjà. Et pour ceux qui n'ont pas d'autres sources pour confronter ces informations-là, ça pose effectivement... Alors, j'en reviens à ce que j'ai appelé votre cours. Vous avez parlé de dissonance. Vous avez conseillé à ce qu'il n'y ait qu'un seul porte-parole parce que s'il y en a plusieurs, il y a risque de contradiction et donc de mauvaises informations. Si vous voulez bien résumer ça assez... Oui, disons que là, nous sommes effectivement maintenant dans... ce que j'appelais la communication pour le changement des comportements. Il faut bien savoir que dans ce cas-là, on distingue trois niveaux.
il y a le niveau cognitif où il s'agit de donner de l'information aux gens. Il faut que les gens sachent d'abord de quoi il s'agit. Par exemple, en marketing, c'est les caractéristiques du produit, à quoi ça sert, etc. Ensuite, il y a le niveau affectif ou évaluatif. Il faut qu'on apprécie maintenant, c'est bon, c'est pas bon, etc. Et enfin, il y a le niveau comportemental ou cognitif qui est le niveau de l'action, ce qu'il faut faire, les gestes à poser. Professeur, alors, professeur, une seule minute. Au niveau cognitif, pouvons-nous dire aujourd'hui qu'à Kinshasa, ici, personne ne connaît le mot corona? Non, évidemment, non, on ne peut pas l'affirmer. Il y a des gens qui le savent. Vous-même, vous habitez à Kinshasa, non, vous le savez. Je crois que tout le monde, je crois que tout le monde le sait. Non, non, au moins le nom. Ok, ok. Non, le problème est celui-ci. Le problème, c'est lorsque vous recevez des informations contradictoires. C'est de là que vient la dissonance. La dissonance, justement, vient du fait que la personne se trouve face à deux informations contradictoires, deux comportements différents, etc. Il y a eu des cas très précis dans la gestion de cette campagne ici. Rappelez-vous, le premier cas, il nous arrive le 10 mars. Nous avons le ministre qui parle d'abord d'un sujet belge. Et le même jour, on nous dit non, c'est un sujet belge. Et puis non, c'est un sujet congolais résident en France. Bon, là, passe encore. Mais vous allez avoir plus tard d'autres informations. Par exemple, pour moi, c'était le pic, le jour où le docteur Muyembe annonce que la RDC s'est engagée à faire des tests avec le vaccin. C'est ce jour-là qu'on a atteint le pic. Parce que le même soir, je crois, il a été obligé de se dédire. Et le lendemain, dans les médias, on a vu le conseiller spécial du chef de l'État en matière de santé, n'est-ce pas, disant, mais est-ce que Muyembe a dit n'engage que lui? La présidence de la République n'était pas du tout au courant. Mais ça, c'est une dissonance terrible auprès de la population. Et vous avez un autre pic également. Le jour où le gouverneur de la ville de Kinshasa, n'est-ce pas, voulant appliquer les mesures qui avaient été annoncées par le chef de l'État, les mesures de confinement, etc., déclare, je crois que c'était le 27 mars, il déclare que Kinshasa va être déconfiné à partir de lundi, à partir de lundi, pendant 3 semaines. Mais le lendemain, c'est la primature qui dit, il n'y a pas de confinement maintenant, c'est renvoyé à plus tard. Mais figurez-vous que ce vendredi-là, oui, le même soir, je crois, ce vendredi-là, nous étions tous en ville, mais on a vu des scènes incroyables. Toutes les mesures qui avaient même été préconisées, mais ont été balayées. Les gens étaient les uns sur les autres presque, n'est-ce pas? Même pas de cache-nez, etc. Et donc, en fait, les gens voulaient donner un message, parce que tout est communication finalement, comme nous dit si bien l'école de Palo Alto. Tout est communication, même le comportement. Les gens voulaient dire, c'est vrai que nous avons un peu boudé lorsqu'on nous a dit qu'on serait confiné, mais nous avons compris et c'est pour ça que nous venons faire nos provisions. Bon. Alors, le même soir, apprendre qu'il n'y aurait plus confinement, c'est ça justement qui crée la dissonance. D'accord. Ça, c'est sur le plan cognitif. Il ne nous reste plus beaucoup de minutes, à moins que... c'est moi qui gère un peu le temps. Oui, sur le plan... Il y a sur le plan affectif. Affectif. Sur le plan affectif, c'est l'évaluation que l'on a. Comment est-ce qu'on apprécie? Les gens, généralement, nous avons toujours tendance à adopter un comportement que nous apprécions positivement. Nous allons acquérir des biens, des marchandises, etc., des produits, selon l'évaluation que nous en faisons. Je prends l'exemple du vaccin, justement. Mais aussitôt que Muyembe a fait son annonce, vous avez vu la levée des boucliers, on a vu des vidéos qui circulaient partout. L'argent, je n'en sais rien, je ne voulais pas me mêler de ça. Mais concernant le vaccin, on va dire, non mais il y a derrière, il y a Bill Gates. La fondation Melinda et Bill Gates, n'est-ce pas, qui veulent introduire les puces RFID dans les gens, etc., pour les contrôler, etc. Donc, on crée, n'est-ce pas, une dissonance, justement. Ça vient des réseaux sociaux, ce n'est pas la faute du gouvernement, évidemment. Vous comprenez? Il y a donc cette dissonance-là qui fait que les gens vont rejeter tout de suite. Alors, et enfin, si vous permettez, enfin, il y a l'aspect comportemental. Mais nous avons connu aussi une dissonance comportementale terrible. Regardez toutes les marches qu'il y a eu ici. Laquelle de ces marches a respecté toutes les mesures, les gestes barrières qui ont été préconisés? Laquelle?
Moi, j'ai vu lorsque Bemba a eu son bain de foule ici, lorsque il y a eu la marche, bien qu'interdite, de l'UDPS et de ses alliés, lorsqu'il y a eu la marche du FCC, etc. Vous aviez, c'est vrai, les responsables des partis politiques à l'avant-plan avec leur cache-nez, mais regardez derrière eux. D'accord. Effectivement. Et même, je peux même vous donner un dernier exemple, si vous le permettez, très rapidement. Mais ce qui s'est passé juste à côté de... Ces exemples nous suffisent, professeur. Donc, regardez ce qui s'est passé. Non, parce que c'est important. Ici, à côté de chez vous, à l'hôtel de ville, le jour où les gens devaient venir chercher les macarons pour accéder à la Gombe. Oui, c'était... C'est à l'hôtel de ville. Tout à fait. Vous voyez. Donc, ça crée une dissonance. Oui, je vais vous demander aux uns et aux autres de donner un message. Un message pour que, effectivement, nous puissions mettre dans les têtes de nos téléspectateurs qu'il y a péril en la demeure. Parce que en Europe, en France, par exemple, on a déconfiné. Et maintenant, on reprend les choses à leur juste proportion. Parce que il y a une certaine remontée. Nous ne parlons pas de la Chine... du Brésil et tout ça. Chacun va donner un message à la population afin qu'elle puisse retenir quelque chose de cette émission. Madame Kanimbo, tout ce que femme veut, Dieu veut. À vous l'honneur. Non, moi je voudrais dire que nous parlons de ce qui se passe ailleurs et même des statistiques. Ailleurs, ils ont des systèmes de santé qui sont fiables, ils ont des systèmes, des statistiques qui sont fiables. Ce n'est pas le cas chez nous. Je crois que c'est Tivouadi qui l'a évoqué. Il y a des gens qui sont malades, mais qui ont peur d'aller à l'hôpital. Donc, ça voudrait dire qu'il y a des gens qui sont porteurs. Ils se portent peut-être bien, mais ils sont porteurs et ils continuent à contaminer. Comme il n'y a pas des tests de masse organisés ici, on ne peut pas savoir qu'on a peut-être les chiffres qu'on donne là, ce sont des cas connus, testés, peut-être qu'il y en a beaucoup plus, et que si on ne respecte pas les gestes barrières, en portant le masque, en respectant la distanciation sociale, en se lavant régulièrement les mains, on s'est lavé les mains, mon Dieu, au début, oui. On a fini par s'adapter, on avait peur même quand on est resté confiné à la maison, mais si on continue à respecter ces gestes barrières, je crois que on arrivera à contenir la propagation de la maladie. D'accord. Même si les tests ne sont pas organisés de manière massive dans notre pays. Dieu vous entende, madame. Ce qui est grave, c'est qu'on a eu des dispositions, effectivement, à Lubumbashi, et une semaine après, on dit il manque de réactifs. C'était catastrophique. Monsieur Tivouali, Moi, je ne voudrais pas qu'on termine cette émission sur l'idée ou le message qui a péril à la demeure, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Je pense qu'il faut bien relativiser les choses. On ne sait pas par quelle magie nous avons été plus ou moins épargnés par rapport aux autres. On ne doit pas s'en plaindre non plus, mais apprendre à vivre avec ça, ça veut dire le virus ou le corona existe. Mais savoir aussi qu'en même temps, il y a d'autres maladies qui existent. Et que, d'après ce que moi j'ai entendu des spécialistes, le corona ne tue pas plus que la malaria aujourd'hui, plus que le cancer, plus que toute autre maladie. Et on a vu que le taux de, c'est pas de létalité ou de mortalité, il est quand même assez faible. Tous ceux qui attrapent le corona n'en meurent pas. Et donc ça, je pense qu'il faut le dire aussi, sans paniquer les gens, sans trop dramatiser les choses. Et ce qui nous intéressait, qui intéresserait tout le monde, c'est peut-être si nous avions un spécialiste, un chercheur, de savoir comment on peut vivre avec, ça veut dire, Invité un chercheur qui est... Non, parce qu'on a dit, tout le monde a suivi, quand même qu'il y a un facteur important par rapport à cette maladie, c'est la capacité d'un chacun, la résistance immunitaire d'un chacun. Qui fait que des gens peuvent résister mieux que d'autres. D'accord. Qui justifie que peut-être les plus jeunes sont moins exposés. Maintenant, c'est l'inverse. Ils sont plus vulnérables. Enfin, maintenant. Ils sont plus vulnérables. Donc, maintenant, là, je vais vous corriger. Maintenant, même les jeunes. Les bébés.
même les bébés commencent mais à être... Mais dans une proportion très, 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 très moindre. Ça il faut pas non plus le dire, parce qu'on n'a pas, on ne connaît pas tout oui. sur cette affaire. Professeur Matoumouni. Non, moi, je m'adresserai plutôt au comité de riposte, etc., pour dire qu'il est temps maintenant d'aller beaucoup plus loin encore dans cette campagne de proximité. C'est très important. Le reportage qu'on a vu tout à l'heure est suffisamment éloquent. Il y a des coins de la ville et même du pays où ce message n'est jamais arrivé. Donc il faut renforcer cette campagne-là et trouver effectivement les personnes adaptées pour cela, c'est-à-dire chercher véritablement des leaders d'opinion qui peuvent être reconnus. Parce que j'ai appris qu'à un moment donné, on aurait lancé des équipes de sensibilisation, mais qui auraient été molestées, certains auraient même été pris en otage, etc. Parce que justement, le public, la population chez qui vous envoyez ces gens-là, ne les reconnaît pas. Il faut que ce soit d'abord des gens qui reconnaissent. Le deuxième aspect qu'il ne faut vraiment pas négliger, c'est la coercition. Je pense que ce qui a été dit récemment avec par la police est très très important. D'accord. Il faut faire payer une amende. Ailleurs, j'ai vu que dans d'autres pays en Europe, c'est 95 euros ou même plus, que l'on paye simplement pour n'avoir pas porté son cache-nez. Donc il faut renforcer cela pour que les gens se rendent bien compte que c'est une maladie qui existe et qu'il faut combattre. D'ailleurs, pour vous embêter le pas, j'ai appris que la RTNC, il y a un certain des coins de la République où elle n'est pas. Elle n'est pas suivie, mais ça c'est un drame. Alors peut-être que dans ce pays, il y a même des gens qui ne savent pas ce qui se passe, c'est dangereux. Willy Kalinga. Rien d'autre à dire que nous n'avons qu'une vie, et entre nos mains, nous avons aujourd'hui le pouvoir de la préserver, mais de préserver aussi celle des autres. Il y aura effectivement une vie après la Covid, mais ça ne sera jamais la vie insouciante que nous avons eue avant. Nous sommes aujourd'hui comme au Japon en 1945, après le bombardement Hiroshima-Nagasaki. Les effets de la bombe atomique sont restés des années et des années. Et la population a dû s'adapter aux nouvelles conditions de vie. Aujourd'hui, la Covid va changer profondément notre rapport à la réalité, notre rapport à la vie. C'est pourquoi moi je voudrais m'adresser aux parents. Aujourd'hui, il faut intégrer l'hygiène de vie dans l'éducation des parents, des enfants. Ça doit commencer déjà dans la maison. Si chaque parent, aujourd'hui, chaque matin, rappelait à ses enfants, rappelait aux gens qui viennent vers la maison, si chaque maison était devenue une forteresse hygiénique et si les mesures barrières étaient déjà respectées dans nos maisons, nous allons en tout cas gagner cette bataille et elle nous appelle à un changement de comportement, comme l'a dit le professeur Matoumouni, un changement total, radical et définitif. 3 minutes exactement qu'il aura. Je voudrais vraiment très rapidement que vous puissiez répondre à cette question. Il paraît que les remèdes de la grand-mère aident à la guérison de cette maladie. Ce sont des cris de cœur qui sont venus même d'Europe avec preuve à l'appui. Moi, je crois qu'il faut absolument renouer avec la nature. Et la grand-mère est dans les rapports que nous avons à la nature. Chaque population a autour d'elle des éléments naturels pour se soigner. Merci, merci, professeur. Bon, je n'aurais pas voulu commenter ça, mais je me dis simplement que, avec un minimum de rationalité, je souhaite quand même que ces produits soient validés scientifiquement avant de pouvoir les utiliser dans une pandémie comme celle-là. Professeur, si nous existons, si nous sommes encore sur la terre des hommes, en attendant l'arrivée des Blancs, on se soignait par quoi? Ce sont les remèdes qui nous aidaient. Chivis. Ben moi, je pense qu'il y a 3 choses aussi à faire pour ne plus que se prémunir ou renforcer son système immunitaire. Comme on a dit, il faut veiller sur ce qu'on mange. Mm-hmm. Il faut avoir une certaine hygiène de vie. Parce qu'on a dit pas trop gras, pas trop salé, etc. Ça par rapport à son système immunitaire. Un peu d'exercice physique. Mais je pense aussi, au-delà de ça, avoir quand même une... certaines spiritualités dans tout ça, comme disait Willy. Je sais que Willy aime beaucoup ce genre de choses pour dire. En fait, la vie, notre vie, nous sommes prédestinés. Ça veut dire corona ou pas, on y passera un jour. Si il était écrit que vous mourrez de corona, vous allez mourir de corona, parce que comme un peu dans la peste, dans la maladie de la peste, vous s'il était touché, mais tous n'en mourrez pas. Donc, si c'est votre jour, merci, vous allez mourir. Il paraît qu'on ne meurt pas par hasard. Madame Chantal Canimbo, vous allez avoir l'honneur de
de terminer cette émission. Oui, les remèdes des grand-mères, ça peut jouer hein, contre des petits bobos, mais Covid-19, on ne connaît pas encore, on ne maîtrise pas encore, et donc on ne peut pas dire qu'avec les remèdes des grand-mères, ça marche, ça peut marcher, tout comme ça ne peut pas marcher. Et donc, il faut continuer à observer les gestes barrières pour ne pas être contaminé. Les gestes barrières ne signifient pas finalement mettre des barrières entre nous. Très bien. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, à vous qui continuez à observer, à utiliser les remèdes de la grand-mère, si ça marche, continuez, ne vous laissez pas décourager par les propos des uns et des autres. Si ça marche pour vous, ça peut ne pas marcher chez les autres, mais si vous le faites, continuez. Cette émission est terminée, c'est la première, c'est pour ça que vous m'avez vu un peu, comment on dit ça, stressé. Généralement, je suis très à l'aise, mais une première émission des journalistes que vous portez, je voudrais bien vous dire que ce n'est pas évident parce que les critiques que nous cherchons vont pleuvoir. Et nous les attendons. À la semaine prochaine.